Et salut à toutes et à tous, c'est Sopurdi, on se retrouve pour l'épisode numéro 6 des Sims 4 Destination Nature. Alors, avant de commencer la vidéo, en fait, je vais vous parler de deux trucs. Bon, déjà, c'était pas prévu que je tourne Sims 4 aujourd'hui, parce que comme vous le savez, le Fallen Kingdoms a commencé et il a été accueilli, un truc de malade, je m'y attendais quand même pas. Je savais que Fallen Kingdoms était quand même une série que vous appréciez, mais à ce point-là, franchement, je vous dis, ça m'a vraiment choqué. Enfin, dans le bon sens, j'étais vraiment content. On a dépassé les 300 vues en même pas une journée, en fait. En deux jours, on a passé les 300 vues, j'étais content. Deuxième chose, c'est que j'ai remarqué sur le dernier épisode des Sims 4 qui a été posté, donc l'épisode 4, qu'il y a eu un gros bug de vues. Pas mal de gens m'ont fait rappeler, parce que d'habitude, allez, sur une vidéo, j'ai genre 300 vues pour 30 gemmes, à peu près. Après une semaine ou deux semaines. Là, j'avais une vidéo de 15 gemmes, donc la vidéo est sortie hier, de 30 vues. Et j'étais regardé dans YouTube Creator, il marquait bien qu'il était marqué 250 vues, donc il y a eu un bug d'affichage sur mes vidéos, donc je suis désolé si ça arrive. Mais faut pas, mais bon, voilà, je vous prévenir en fait qu'il y a parfois des bugs de vue sur des vidéos, mais là je pensais pas quoi, en plus sur les Sims 4, bizarre. J'ai trois choses à vous parler. La deuxième chose c'est que je suis en train de tourner du 60 FPS actuellement sur les Sims 4, et je voulais vous demander, est-ce que ça vous dérange si je remets du 30 FPS? Il y aura un sondage dans la description, donc soit si vous voulez que je filme en 30 FPS, ou en 60 FPS. Alors qu'est-ce que c'est la différence? En 60 FPS, le jeu est beaucoup plus fluide. Mais vraiment beaucoup plus fluide, bien plus fluide. Pour vous faire une petite idée, si vous voulez, dans cet épisode-là, j'ai tourné du 60 FPS. Je vais tourner du 60 FPS, je parle un peu trop vite, désolé. Et l'épisode prochain, je tournerai du 30 FPS. Comme ça, vous verrez la différence. Et puis, je mettrai peut-être le sondage dans le prochain épisode. Voilà, je mettrai le sondage dans le prochain épisode. Comme ça, vous verrez la différence. Mais le problème du 60 FPS, c'est que ça met énormément de temps à s'uploader et à faire le montage. Mais vraiment énormément de temps. Allez. Le montage, normalement, allez, d'une vidéo Sims 4 en 30 FPS, ça me met... allez, disons... Pour une vidéo de 20 minutes, ça me met 30 minutes. Allez, on va dire comme ça. Alors que en 50 FPS, ça me met une heure, quasiment. Et pour l'upload, je vous en parle même pas. Pour l'upload, ça prend, au lieu de prendre une heure, normalement, c'est une heure et demie, une vidéo de 20 minutes des Sims 4. Ouais, j'ai une conne merde. Là, ça prend facile 2 heures et demie, même 3 heures parfois. Voilà, pour vous dire. Faut une petite idée. Ok, Steam qui pète son câble. Et la troisième info, c'est que nous avons un nouveau personnage. Et oui, là, en ce moment, boum, on rajoute des personnages. Donc, qui est ce personnage? C'est Alexandre. Donc, qui est Alexandre dans la vraie vie? Enfin, dans la vraie vie, dans la vie quotidienne. C'est tout simplement le copain de Théo. Enfin, par contre, je trouve qu'il a vraiment juste bien fait. En fait, les vêtements, etc., je trouve que ça lui va grave bien. Franchement, Théo, si tu regardes la vidéo, tu as géré. Il est super bien fait. Donc, dans la vie réelle, c'est le copain de Théo. Et on va faire en sorte que dans les Sims 4, c'est quand même un petit gage quand même. J'ai quand même pas être un connard et faire en sorte qu'Alex soit en couple avec quelqu'un d'autre. J'ai quand même essayé qu'il soit en couple avec Théo. Voilà. C'est le seul moment où je vais sortir des règles. Parce que moi, ma règle dans ce let's play, c'est que les Sims font ce qu'ils veulent. Là, par contre, Alex et Théo, je ferai quand même en sorte... Bah déjà qu'ils soient au moins amis. Et après, on les laissera. Peut-être qu'ils seront copains vite fait ou peut-être que ça prendra du temps. Mais voilà, on verra. Donc on se retrouve toujours avec le sim d'Alex, avec Ao, putain, avec mon sim, avec Théo et avec Pierre. Alors maintenant, comme dans l'épisode 4, beaucoup de gens m'ont fait rappeler, ça sert à rien que je dise le sim de Pierre, le sim de Théo, autant les appeler Théo, Pierre, Ao, enfin Marion et Alex. C'est vrai que j'étais en mode, bah que c'est vrai en fait, faut pas me casser le cul. Donc ici Alex est en train de manger quoi? Manger une salade de jardin, et bah il va manger une salade de jardin. Ouais. Oula. D'accord. Attends. Attendez. Oula, ah oui, d'accord. Ouais, ok, je vois un petit bug. Allez, va manger la salade au jardin. Toi, Ao, qu'est-ce que tu faisais? Tu regardais la télé. Et après, elle a commencé à se cuisine. Et elle a fait un bruit très bizarre. Il y a aussi pas mal de gens m'ont demandé que je fasse que mon sim ait un bébé avec le sim d'Ao. Enfin, avec Marion. Non. Juste. Ok. C'est Sims 3, ça? Ah ouais? C'est énorme, non, qu'il y a des programmes Sims 3. Ça, c'est bien foutu, ça. Une seule chose, non, je ne ferai à jamais, jamais ça. Congé. Ah non, Pierre il travaille. Théo, il travaille pas. Et Alex, bah lui, il n'a pas encore de carrière. Mais je sais déjà quelle carrière il va faire. Même si bientôt les Sims 4 travaillent, enfin bientôt, ils sortent dans minimum un mois, maximum deux, donc dans le mois d'avril. Sauf que cette vidéo, je sais pas du tout quand est-ce que vous la verrez. Sûrement mi-mars, genre entre 10 et 20 mars, parce que j'enregistre toujours en avance. Qu'est-ce qu'il a fait Alex? C'est pas là soi-même. D'accord Alex. D'accord. Ah, juste, non, tu vas plutôt te lancer dans une carrière quand t'as fini. Allez, mange.
Voilà. Et il va être dans la carrière criminelle. Voilà. Boum, c'est fait. Et try tous les jours. Ça, c'est con. Meurs un idéal joueur. D'accord, pour ça, faut faire des blagues drôles et être un peu... interaction malicieuse. Donc, il faudrait que Alex soit en colère contre quelqu'un, comme ça, il fera toujours les trucs malicieuses. Oh, avec le sim de Pierre. On va faire ça. Pierre, est-ce que t'as fini de dormir ou pas? Yep. Bah, tu vas aller manger un truc, mon seul à Pierre, et... enfin, tu vas manger un... Allez. Non, il reste encore un plat ou pas? Ouvrir. Ouais, il reste encore une salade de jardin. Allez, va prendre une portion. Voilà. Mon sim, tu vas te lever aussi, tu vas aller aux toilettes. Deux, voilà, je suis arrivée. Ça, voilà, j'ai aussi modifié ça maintenant. Bah maintenant que mon sim et Marion sont en couple, ils vont rester dans la même chambre, alors que là, ce sera la chambre d'Alex. Voilà. Et la maison, je pense pas qu'elle a changé extérieurement. Ah si, j'ai rétréci un chouï ça. Avant, c'était 3, je trouve que c'était beaucoup trop long, maintenant j'ai mis 2. Et Pierre, il faut qu'il s'occupe des plaintes. J'avais quand même oublié, il serait peut-être temps. Attends, avant, parce que sinon j'ai oublié. Tu vas faire, c'est que tu vas aller arroser tout ça. Planter. Planter. Voilà, et puis tu vas aussi aller planter de l'autre côté, là, ici. Ah, t'as rien d'autre? Ah non, bon, bah, tu partiras à découvrir plus tard. Hein. Pourquoi tu peux pas y aller? Je suis pas allé ici, moi. Ouais. Je suis pas allé ici. Je vais pas aller à l'intérieur là? Si, mais pourquoi tu plantes pas alors? Tant pire, tu l'as mis là, ta truc, tu casses pas le cul hein. Planter. Voilà, je sais pas, il y a eu un petit bug. Boum, et puis tu vas faire aussi planter. Tu vas arroser et tu vas arroser et puis tu vas aller manger. Manger, ouvrir. Ah bah, ça c'est con. Théo! Allez Théo, viens faire manger! Non, tu vas juste cuisiner les œufs brouillés. Allez, boum, familial. Voilà, pendant ce temps-là, Alex, toi, qu'est-ce que tu fais? Non, c'est pas ton terrain. Non, tu vas pas là. C'est ta chambre. Là, c'est ta chambre. Ah, mais je t'ai pas mis de bureau. Attends, j'ai peut-être lui mettre un bureau. Genre, c'est bon, comme ça. Je vais mettre un petit bureau ici, vous voyez. Juste ici, juste à côté. Ou alors, comme ça, au pire, je ferai ça. Non, parce qu'il arrive, pouf, directement. Regarde, je fais ça. Voilà. Même carrément comme ça. Et si je mets un bureau? Pardon, attendez. J'ai l'impression que c'est beaucoup trop fort, le jeu. Ah ouais. La musique, en moins de 30%, voilà. Ouais, j'avais augmenté le son, je sais plus pourquoi. Alors, nous allons prendre un petit bureau. Alors, bureau. C'est plutôt ce bureau-là, en fait, qui lui irait. Hein. Attendez. Non, c'est pas du tout la musique, mais je m'en fous. Mais genre comme ça. Petit truc du genre comme ça, tu vois, non. Putain, un truc en bois qu'il faudrait. Moi, ça me tente, ça. Je trouve que c'est vraiment classe. On va mettre ça. Bam. Une petite chaise. Une petite chaise qui va avec, en fait, ce serait bien. Y'a pas une chaise qui va avec ce truc. Ça, peut-être. Ça, voilà. À peu près, je pense. Je vais mettre un petit ordinateur. J'ai envie de mettre... pas une tablette, on va lui mettre... pas ça non plus, on veut lui mettre ça. Voilà. Bon. Et ben c'est bon. Alors maintenant, purée, ça va être compliqué déjà qu'on a 4 Sims maintenant. En fait, je viens de m'en rendre compte, mais j'y avais pas pensé, mais ça va être galère avec 4 Sims, avec 5 Sims maintenant. Donc, j'ai pu rajouter de Sims avant longtemps, en tout cas, ça, vous pouvez en être sûr et certain. Sachant que je pense déjà qu'avant l'épisode 10, mon Sim et celui d'Awa emménageront dans une autre maison qu'eux, parce que ça risque d'être galère. Et je pense même ça de faire ça dans le prochain épisode. Comme ça fera un épisode foyer d'Ao, enfin foyer de... mon foyer et le foyer des colocataires, on va appeler ça comme ça. Lance malice, bah ça c'est fait, pourquoi? Qu'est-ce que tu fais? D'accord, je sais pas ce qu'il foutait, mais... d'accord, si tu veux. Why not? Marion, toi,
Non, c'est là, putain, chercher le truc des besoins. Tu travailles pas aujourd'hui? Ben. Organiser une fête aujourd'hui? J'ai envie de dire why not? D'organiser une fête? Allez, on est des fous d'organiser une fête. Organiser un événement social. Dissection de hot dog, let's go. Un autre, c'est Marion. Bam. Ok, pour inviter, on va inviter genre. Bah, tout le monde a invité tout le monde. Hein. Tac, tac. Connecte ça. Tac, tac. En fait, il n'y a que eux qu'on connaît, je me dis maintenant. Tac, 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 tac. Non, pas le gosse, dégage. On va inviter à Foyer Gothique et toi aussi, dégage. Produit barbecue. Allez, on va dire celui-ci. Allez, on va dire c'est moi. On peut pas choisir le temps. On fera ça plus tard, les gens. On fera ça plus tard. Peut-être avant, essayer de rencontrer d'autres personnes, en fait. Attendez. Toi, tu connais combien de gens, toi? T'en connais beaucoup plus. 1, 2, 3. Enfin, beaucoup plus. On essaiera. Non, peut-être pas une fête dans cet épisode-là. Dans le prochain, plutôt. Théo, il met tout le temps ce fail. Ouais, mais c'est vrai que je commence à me dire en fait que 5 sims, j'ai vraiment galéré là. J'y avais pas pensé, mais je galère déjà. Parce que à s'occuper du couple de mon sim et de celui d'Ao, s'occuper de Théo et Alex, s'occuper de Pierre et de son boulot, ouais, j'avoue que ça va être galère. Bon, ben, je relève le défi. Hein. J'ai envie de dire. Ça va pas être beau tout ça. Pierre. Oui. Tu fais quoi là? Manger bol de céréales, bah tu vas pas manger du bol de céréales, espèce de débile mental. Mais t'es bête, mais t'es vraiment bête. Tu vas regarder la télé, regarder la chaîne du sport, je sais pas, tu fais ce que tu veux. Ah non, bon, ça c'est pratique ça. Très bien. Ce qui est sûr, c'est que lorsque les Sims 4 au travail sortiront, bah déjà mon Sim là, lui, il ira s'il est encore en vie. Reste combien de jours de vie enfin? Il est à combien là? Voilà. Oh, encore 14 jours, il devient un adulte. Ouais, ça va, t'as tranquillement le temps. Et l'arbre généalogique, c'est vrai. Il est beau l'arbre. Waouh! Pardon, désolé. D'accord. C'est vrai que l'arbre généalogique, il était à partir d'une mise à jour. Et franchement, les Sims 4, il commence à. Ah, ça y est, hein, il travaille pas mal. Franchement, il. Voilà, il commence à plaisir. Avec les Sims 4 au travail qui va juste gérer. On va faire ranger ça. Plutôt, tu vas le parler un peu avec Alec, avec Théo. Plus de choix. Complimenter sincèrement. Faire connaissance. Discuter des centres d'intérêt. Illuminer la journée de quelqu'un. Raconter une blague. Amical. Ouais, par contre, là, c'est allez. On est des bonhommes. Oh, oh, violence. Violence. Oh, petite violence. Analyser. What? Qu'est-ce que tu fous, toi? Marion, t'es pas très normal. Alors, maintenant, parce qu'il faut que je m'occupe un peu des couples, etc. Coucou, so, les Mile, non, pas du tout. Pierre, toi Pierre, tu vas pouvoir manger maintenant. Ouvrir. Prends une portion. Allez, abruti. Wow, la cuisine. My God. Je vais leur faire drôle. Alors il y a une histoire drôle. Et puis genre c'est une histoire délicieuse. Raconter demandez comment se passait la journée, des trucs du genre quoi. Vous aussi, on va leur faire amical le enlacé. Non merde. Genre oh, c'est une histoire délicieuse. Romantique.
Voilà, c'est, mais ils sont en couple, donc de toute façon, what? Ah oh, ouais, il faudrait peut-être que je les mette en couple définitivement, en fait, je me dis, là. Tu tragues. Quand t'es un parent, ouais, tous les jours. Dans un niveau charisme, ça c'est bien. Ça papote beaucoup là. Tu as personne célibataire. Ouais, voilà, elle est enjôleuse. Alors Alex, toi, ouais, continue un petit peu à parler, genre, allez, complimenter sincèrement, faire du truc comme ça, tu vois, genre un lacet, amical, complimenter sincèrement, tu vois, une injonction de quelqu'un, choix, drôle. Une blague sur Sunset Valley. Genre, oh vas-y, ça m'a tué ça. Raconter une blague sur Sunset Valley. Puis genre, tu vois, toi, une rose, voilà. Et puis, ah, il y avait un truc, amour. Donnez être sa petite amie, voilà. C'est bon, c'est en couple. Alléluia. Direct, non. Et bah, je sais ce qu'on va faire à la fin de cet épisode. On va essayer de faire un bébé. Et si elle est enceinte, ok, on changera de maison. Si elle est pas enceinte, bah on changera pas maintenant. Voilà, on fera ça un peu le test. Et si ça arrive directement, là je me suicide. Bon, allez, on va peut-être commencer un petit truc amoureux. Non, j'aurais bien qu'ils sont amis au moins là. Ouais, ils sont amis, mais bon. Censé sur la vie amoureuse, allez. Voilà. Tu dois des conseils sur les relations, enfin, des trucs comme ça, tu vois. Voilà. Et. Amour, on va. Frère, une rose ? On va commencer comme ça, je sais pas. Y'a un truc enlacé. Attends, on va voir petit à petit si ça marche ou pas. Petit câlin ? Câlin ! Vous deux, non c'est bon, vous êtes en couple maintenant, donc ça va aller, vous faites pas chier maintenant, ok. Toi par contre, tu vas pas garder tes cheveux blonds, hein, je te le dis. Hein. Non, ça c'est ça va pas être possible à un moment. Non, t'es con. Tu vas aller aux toilettes. Pierre, la petite Pierre. Il te faudrait qu'on trouve une copine, et j'ai déjà peut-être une petite idée sur qui. Roman. Entraînement, tu vas t'entraîner un peu, parce que tu dois t'entraîner. Donc bah tu vas t'entraîner, ok. T'es un bonhomme toi, tu vas t'entraîner. Remplir des rapports moi, parce que... Bah je vais faire ça tiens, je vais faire remplir des rapports. Sur mon bureau. Carrière. Non. Écrire. Non. Jouer. Non. Web. Remplir des rapports, voilà. Allez, tu vas remplir des rapports toi. Bon, ça va, Marion, toi tu devrais faire quoi? Créer des toiles, bah tu vas. Ah oui, mais t'as plus ton truc de pour créer des toiles. Ah bah attends, je vais te le mettre. Putain, en fait, la chambre elle va être trop petite à un moment. Je me dis, je pense à Harper en fait là. Puis on met ça là, genre ça. Tu dégages et je vais mettre le chevalet ici. Allez, go, je mets un chevalet. J'aime beaucoup cette maison, en fait, ça va me faire du mal quand mon Simiao va partir. Mais on jouera toujours avec les autres, hein, ça faut pas s'inquiéter. Toi l'enjôleuse, Mago. Sans Simflouz, du coup, sans Simflouz. Bon bah, ok. C'est pour la bonne cause, on va dire, ok. On se trouve une excuse. On va faire. Allez, prends les baisers, on tente, allez. Attends, parce que si, parce que moi je veux que ce soit ça la miniature. Allez, magne. Allez, magne. Parfait. Voilà. Parfait. Bon, bah, on a la miniature pour cet épisode-là. Non, en tout cas, Théo, il va être content. Mon image est légèrement buggée. Théo, là, comme ça, il va être content. Bon, bah, vous allez aussi vous mettre en couple maintenant, tant qu'on y est. Allez, boum. Plus de choix. Amour, on est des bonhommes. Avouer son attirance.
Faire cracra... Non, quand même pas maintenant. Ok, on va se calmer un peu, on va être son petit ami. Ok, ça, c'est fait. Ils sont tous en geôleur. À part Pierre, le pauvre Pierre, il doit sortir un peu con, là, en fait. Ça va, Pierre? C'est cool, la solitude? Non, je rigole. On va s'occuper vraiment des relations dans cet épisode-là, en fait, je me dis. Maintenant, on va s'occuper un peu du boulot. Toi, tu remplis tes rapports, toi, tu crées une toile enjôleuse. Enfin, elle essaye de créer une toile enjôleuse, sachant qu'Ao, elle a jamais d'inspiration. En fait, en même temps, ça va bien, Ao, en fait, la carrière peintre, en fait, ce qu'elle adore dessiner. Je trouve que ça lui va bien, en fait. J'ai pas fait exprès, mais je trouve que ça lui va bien. Ça va te parler tout seul? Tranquille, Alex? D'accord, le mec, il parle tout seul. Ouf, why not, hein. C'est Alex. Ça m'étonne même pas. Je n'ai jamais dit ça. Non, moi? Non, ramé, moi, avoir inventé langue. Putain, qu'est-ce que je fous de ma vie. Bah maintenant faites un peu votre vie en fait, je sais pas trop ce que vous pourriez faire. Pierre, toi tu t'entraînes. Théo, toi qu'est-ce que tu devrais faire? Bah va aux toilettes déjà, ouais, j'avoue, va aux toilettes. Vous deux, la compétence programmation, bah tu vas faire ça. S'entraîner à programmer. Allez, go. Bah, travail de Pierre commence environ une heure. Bah tu vas t'arrêter là. Est-ce qu'il y a avec Lucien? Non, tu vas prendre une douche tonifiante, c'est bien ça ton boulot? Énergisé, ouais, yes. Tu as peut-être une promotion. Moi, non, faut toujours que je remplisse des rapports, moi. J'ai pas fini. C'est 50%. Toi, shoot, qu'est-ce que tu fais? D'accord. Tu fais créer des toiles. Ouais, bah, vas-y, hein, let's go. What? D'accord, j'ai pas compris. Pierre, il voulait déjà tromper. D'accord. Pierre, le sim de Pierre, il cherche la fight, là. J'ai cru où il a chanté Rainbow. J'entends des Rainbow partout. Putain, j'étais choqué là, genre il allait faire une relation, un truc amoureux avec eux. D'accord, ça va pas aller ça. Là il va avoir du fight, je le sens. Oh, un tram. Tchou-tchou. Non, attends. Oh, trop tard. Tchou-tchou. Ok, non, pardon. Oula, là j'ai un peu pété mon câble. Mais je sais pas, pourquoi Alex il fait quoi là? Il troll sur des forums, d'accord. C'est un bâtard en fait, lui. En fait, le site d'Alex c'est un gros. Il pique la chambre de Pierre. Why not? T'as un truc? Tu l'as trouvé sur des forums là? On va faire ça. Faire des recherches sur la technique de drague. Yeah! Smile! Yeah! Ça va, Théo, tu te sens bien là? Il m'a fait un peu peur tout d'un coup en fait. Ah, on sim bientôt fini. Toi, tu fais ta toile. Tu l'as fini ta toile? C'est magnan. Oh, c'est beau. Cadrer la toile. Mettre ici, tiens. Voilà. Maintenant, t'en refais une autre. Pas une toile en jeu, ça fait une toile classique. Une taille. Une petite toile. Voilà. J'ai rempli les rapports. Parfait. Bon, bah ça c'est fait. Qu'est-ce qu'il y a? Faire des longueurs. What? C'est quoi ça, faire des longueurs? Pas compris. Bon. Ah, Pierre part travailler. Ok, donc Pierre est parti travailler, c'est une bonne chose. Je pense qu'on va les faire sortir après. Genre, aller peut-être à la salle de. Un truc, je sais pas. Toi, tu vas juste regarder un chouille la télé, puis on va y aller. Regardez la chaîne humour. Oula. Je suis une cuisine. Allez, go. Marion, toi, qu'est-ce que tu fais, toi? T'es inspiré. Ah, essaye de faire genre. Cuisiner un truc inspiré. Attends. Déjeuner. Ouais, tu vas genre cuisiner un petit. Haricot suisse. Non. Attends. Je suis calme. Tu vas faire plutôt des salades au jardin. Ils sont les chauffages fondus familial. Voilà. On a inspiré, elle va peut-être faire des meilleurs plats, qui dit. On sait jamais, hein. So, toi, tu manges et. Ah, par contre, toi, t'es crevé en fait, hein, chouille. D'accord, si tu veux. On va discuter avec Marion. Alors. Ah, bah, non, il discute plus avec Marion. D'accord. Par contre, après, toi, tu vas aller au. Toi, quand tu auras mangé, tu iras aux toilettes ensuite.
Non, ça, on s'en fout un peu. Ouais, on s'en fout. Tu manges et tu vas aux toilettes en même temps. T'es un bonhomme, tu vois. Comment ça, c'est pas tes toilettes, mais si. Ça ne te permet pas. D'accord, ok. D'accord, bon, ok. Alex, ah, tu travailles bientôt. Merde, faut que t'ailles dormir un coup, toi. Fais dormir. Magne. Magne, vite, faut que tu dormes pas mal, là, tu vas... Depuis quelques temps, le joueur phare de l'équipe mène Pierre à la baguette. Cela commence à devenir espérant, exaspérant et contrariant. Peur tu tenir tête ou le laisser couler. Tenir tête, allez, c'est un bonhomme. Le joueur phare ricane, puis tourne les talons et se plaint de la performance de Pierre aux entraîneurs. Quel abruti. Gain de performance petite. Ah merde. J'aurais dû rien faire. D'accord, bon, bah, t'es fait là. Tiens, t'en es où, t'es dans ton boulot? Ah, c'est chouchouillant. Ah, tu dois jouer aux jeux vidéo, toi? Bah, va jouer. Ah non, tu dois... T'as pas fini. Putain. Ah non, mais c'est vrai, parce qu'il est... Non, divertissement, t'es bon. Maintenant, tu vas finir de t'entraîner à programmer. T'entraîner à programmer. Alors, mon sim, lui... Tu vas peut-être aller au... Non. Bah, tu fais ce que tu veux. Ils sont pas sortis aujourd'hui, en prochain épisode, on essaiera de faire vraiment en sorte qu'ils sortent. Bon bah go, maintenant tu vas aller au boulot, hein. J'ai peur, par contre, parce qu'en fait, il est juste crevé, en fait. Juste un chouï crevé. Marion, toi, tu sers à quelque chose. Va ranger ça. Et ça aussi, tiens. Et ranger, boum. Alexandre, en tout cas, il est parti travailler. Vous deux, connaissance programmation. Bah, ça, c'est bien, Théo. Bravo, GG. Ok, là, c'est un rire juste sadique. Juste un chouï sadique. Jouer à Bibi Sips. Et puis, tu vas faire un petit pipi. Pardon, désolé, j'étais en train de bouger l'endroit de ma chaise. En fait, j'ai l'impression que l'épisode dure super longtemps, mais je pense que c'est juste mon imagination. Aïe, pardon, je me suis un peu fail. Ils sont un peu fatigués là en fait, je suis remarqué. Enfin non, juste Théo. Et eux, c'est un chouï fatigué là. Ah, et déjà, c'est pas ton lit ça, c'est le lit de Théo. What the fuck. Ah, je t'entends pas avec Théo, j'avais pas vu en fait. Elle me grave pas avec Théo. Attends, j'ai juste voir. Ouais, non, pas trop. Bon, why not, hein. Toi, qu'est-ce que tu devrais faire encore? Non, t'as tout fait en fait. Bon, ben là, je sais pas. Faut dormir un chouï, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te. Ouais, on va faire crac-crac, allez. Comme ça, moi, ce sera fait. Non, vas-y, fais un bébé. Alors, on va voir. Je sais pas que ça va pas marcher. J'espère que ça va pas marcher en tout cas. Là, si elle est enceinte, bah déjà, prochain épisode, on se casse de cette maison. Et merde. Alors, videur récalcitrant. Une affaire importante doit être conclue à l'arrière du club ce soir. La mission d'Alexandre est de faire diversion et de détourner l'attention des patrons. Malheureusement, ce stupide vigile ne laisse pas entrer. Doit-il porter un déguisement et se faufiler à l'intérieur ou provoquer une bagarre de rue? Provoquer une bagarre. Alexandre met le feu à une poubelle, déclenche une alarme de voiture et lance une brique dans la vitrine d'un magasin. Il aime les grands classiques. Bientôt, tout le monde rejoint le chaos extérieur pendant que les patrons règlent leurs affaires en toute tranquillité à l'arrière. Quinte performance petit, bah, c'est parfait. Derrière ici. Oula. C'est bon? T'as fini? Maintenant, tu vas faire ton test de grossesse à la con? Ça, au moins, on verra que tu n'es pas enceinte! Merde. Fuck.
Putain, je vais recréer une nouvelle maison maintenant. Fais chier. Bon, bah merci. En tout cas, si à vous, tu regardes cette vidéo, merci d'avoir gâché le let's play. Je t'aime. Non, je rigole. Putain, my god, quoi. Maintenant, tu vas dormir. Non, mais je rigole, en fait. Je m'en fous complètement. Je voudrais juste créer une maison. Oh, encore. Peut-être des idées. Non, tu vas juste dormir. Va dormir. Tu fous quoi? C'est pas par là et dormir. Voilà, elle est un peu bourrée. Faut l'excuser, par un moment, ça lui arrive. D'accord. Ok, je vais prendre un bain dans la salle de bain de Théo. En fait, ils comprennent pas l'intérêt des salles de bain personnelles. Non, ils sont trop bêtes. Bah non, là, cette fois-ci, bah, tu vas faire pipi dans la salle de bain. De pierre, et puis tu vas aller manger. Petit chaud dans la gorge. Petit... Ça, prends une portion. Parce que je vidéo, je pense. C'est bon, voilà. J'ai réalisé une excellente performance au travail. C'est bien, Pierre. Maintenant, t'es crevé, je parie. Ah non, t'es pas crevé. Bah, tu vas... Ouvrir, tu vas. Brouiller. Et brouiller. Tu vas prendre un peu de brouiller. Bah quoi, il y a des escaliers là devant, non? Ah bah merde, il y a un trou! J'avais pas vu! D'ailleurs, j'avais pas compris pourquoi il y avait un trou. Bon, tant pis. C'est bien à l'avant, ouais, c'est bien à l'avant de la maison. J'ai eu un doute tout d'un coup. J'avais pas vu, mais là il y a un petit truc comme ça. Quand il y aura un enfant, on pourra jouer là-bas. Waouh! Il y a un petit bug. Un truc de pirate. On est encore, on a Willow Creek, hein? Ah ouais. J'ai oublié. J'ai une petite perte de mémoire, moi. Enfin, des petites. Très souvent, des pertes de mémoire. Mon sim, lui, qu'est-ce qu'il fait? Mon sim, voilà, purée, il était un peu en mode galère alors. Bah, tu vas aller dormir, je pense. Très joueur! Ah bah non, c'était très joueur. Écrire des blagues. Ah bah, tu veux faire ça, tiens, si tu as envie. Tu vas écrire des blagues. Écrire. Des blagues. Bah, tu fais ce que tu veux, hein, mais bon, ça c'est fait. S'il a envie, bah il en fait, hein. Il n'y a pas de talent pour faire les blagues, que ce soit en vrai ou dans la virée. Pff, non, okay. Ah non, mais je parlais de moi! Merde! Je pensais que je parlais Pierre. Je rigole, Pierronnet. Pauvre Pierronnet. Le pauvre. Allez tous dormir là parce que vous allez vraiment être crevés demain. Ils ont trouvé leur chambre. Ils ont trouvé leur chambre. Explore. J'aurais juste envie de dire explore. On est content. Voilà, maintenant tu vas aller dormir. On va attendre. Alex, il revient quand, tiens? Oh, il est crevé. À minuit. Oh, bah, il va. Voilà, il est là. C'est une fantastique performance au travail. Bah, ça c'est bien, maintenant tu vas dormir parce que tu vas mourir sinon. Là, sinon tu vas mourir. Qu'est-ce que t'as? Non, tu vas juste dormir. Allez, dors. Et les gars qui se réveillent, bah, on s'arrêtera là pour cet épisode numéro 6. On s'est vraiment concentré sur les relations. Je pense que le prochain épisode, on va aller un peu au parc, parce qu'on est dimanche, pour faire des nouvelles rencontres, etc. Vous voyez? Ah bah, c'est parfait. Pouf, il y a Ao qui s'est réveillé. On va aller au parc dans le prochain épisode pour faire des petites... des nouveaux amis, vous voyez? Essayer de se faire des nouveaux amis, organiser une grosse fête. Déjà, dans le prochain épisode, ça se trouve... Alors, voilà ce qui va se passer pour que je vous explique bien si vous n'avez pas compris. Ce qui va se passer, c'est que maintenant que mon sim et celui d'Ao, enfin que moi et Ao, les sims vont avoir un gosse, on va pas rester dans cette maison-là. Enfin, pas ces deux Sims, ils vont pas rester là. Ça va faire trop de familles d'un coup, ils vont trop avoir des problèmes, je vais pas savoir gérer ça. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai coupé la famille en deux. D'un côté, dans cette maison-ci, donc la maison que vous voyez là, il y aura Pierre, Théo et Alex. Petite foyer colocation, trois mecs colocation. Alors, il y aura peut-être des histoires de cul, des histoires de couple entre les trois, on verra, on essaiera de s'arranger ça. D'un autre côté, on aura mon Sim et Ao. Mais ça dans une nouvelle maison que je construirai. Déjà une maison beaucoup plus petite, mais vraiment pas mal petite. J'essaierai de prendre un petit terrain et faire une maison comme ça, quoi. Avec deux chambres, juste une chambre pour moi Yao, une chambre d'un gosse, quoi. C'est tout. Ça va vraiment être comme ça la maison. Que je vais certainement faire maintenant, tiens. Ou peut-être en vidéo. Non, la flemme. Peut-être en live. Ah, oh, je le ferai peut-être en live. Ah, oh, bah, je le ferai en live que j'ai fait ce soir samedi. Ah, oh, je ferai peut-être ça. Oh, ouais, idée. Et donc, ben, les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode. Si oui, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter, à partager la vidéo, à inscrire, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à me suivre sur Twitter. Et on se dit à ciao pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye tout le monde!